Bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Vous avez vu le petit twerk, j'espère que rien que pour ça vous avez mis des pouces en l'air. Si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez et commentez, mais aussi pensez à ma nouvelle chaîne YouTube Rose Mouni Kamasutra. Sans plus attendre, on va vivre du sujet. Allez. Les amours, la recette que je vais vous montrer ici est simple, facile, mais surtout très accessible, oui. Parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, d'accessibilité. Pour celles et ceux qui veulent s'éclaircir, blanchir ou même encore améliorer la texture de leur peau. Enlever par exemple les trucs de, voilà, vous voyez ces choses-là, comme ça, les taches de surpigmentation sur les mains, sur les bouts des doigts, toutes ces choses. Voici une recette simple, facile que vous pouvez faire directement chez vous. Pour cela, vous aurez tout simplement besoin d'un petit peu de vinaigre, d'alcool comme celui-ci. Hein. C'est assez facile à faire la recette. Donc, je vous conseille de faire ça le soir à la maison. Parce que comme je vous ai dit, si on doit faire une recette avec du citron, c'est hyper sensibilisant. Donc voilà, c'est photosensibilisant. Donc vous aurez besoin de 1, 2 et 3. Ensuite, vous rajoutez simplement votre citron. Un demi-citron comme ça. À l'intérieur, c'est parfait. Ensuite, vous rajoutez un petit peu de pâte dentifrice. Hein. Vous savez que la pâte dentifrice est hyper éclaircissant. Donc, ça a des agents blanchissants. En toute petite quantité. Voilà. Une demi-cuillère comme ça, ça va suffire. Étant donné que ici nous allons simplement l'utiliser en gommage, donc je vous conseille de mettre soit... Vous avez le choix entre deux ingrédients, soit de la maïzena comme ça, comme vous pouvez voir, ou simplement de la fécule de pomme de terre. Et même si vous avez de l'argile blanche, c'est parfait pour vous. Donc ce que vous avez à la maison, d'accord, même de la farine de riz, ça va suffire pour la préparation. Vous mixez bien le tout. Donc c'est normal que ça mousse de cette façon, c'est normal, c'est très très normal, d'accord mes amours? C'est tout ce mélange qui le rend moussant comme ça. Mes amours, si vous voulez un effet plus rapide sur votre peau, surtout si c'est sur la peau du visage, vous pouvez rajouter un petit peu de maïzena. Mais si simplement vous voulez donner de la clarté, blanchir tout en douceur, je vous conseille de faire ceci. Donc une fois que c'est bon, voilà, vous l'appliquez directement sur les zones qui sont à traiter comme ça. Frottez comme ça pendant à peu près 5 minutes avec vigueur, hein, avec force et vigueur. Donc plus vous allez frotter, vous allez voir que ça décape sous vos yeux un petit peu, c'est normal. Donc mes amours, vous pouvez voir la différence, voilà le résultat après avoir patienté. Donc pour un résultat plus rapide, je vous ai dit, vous pouvez rajouter soit de la maïzena, soit de la farine de riz, soit de l'argile blanche, vous aurez les mêmes résultats. Donc vous voyez que là, tous ces trucs là, voilà, tout ça, pour enlever, pour vous débarrasser de ça, d'accord, vous faites pour enlever du surplus, pour vous débarrasser du surplus de peau. Et bien sûr, ça s'applique aussi entre les jambes, entre les cuisses, partout 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 mes amours. Donc vous voyez la différence, vous pouvez voir. Bon, c'est vrai qu'il y en a encore un peu, mais moi j'en fais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, il n'y a presque jamais rien dessus, mais vous voyez, dès que vous arrêtez de faire un petit peu, ça apparaît.
Donc voilà mes amours, nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose ici. Si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, d'accord? Bien sûr que ça prend du temps, mais je finis toujours par répondre. Soyez très patients. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, hein? Sachez que je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc oui, mais...